Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Nox. Dans le chapitre 2, donc dans l'épisode, vu que je fais les vidéos par chapitre, nous avons prouvé notre valeur en tant que chevalier en faisant l'entraînement des chevaliers à base de pièges mortels. Et nous avons, une fois passé ce test, déjà level up et récupéré un sort qui me permet de foncer dans le tas, mais aussi sauver notre cher ami dont j'ai oublié le nom, qui nous a un petit peu fait aider, ouais, exactement, pour rentrer à l'académie. Nous l'avons sauvé des sous-sols remplis de scorpions et d'araignées. Je tiens à m'excuser d'ailleurs pour toutes les personnes arachnophobes et insectophobes. Et là on nous dit, oh mon dieu, il faut aller au cimetière, des brigands ont volé un artefact magique. Eh ben, voulons cette... récupérons cet artefact. Nos terres connaissent une période bien trouble. Je dois te demander de rejoindre le village d'Ix. Tu y chercheras l'édile Théogrin. Il a besoin de notre aide pour faire face aux récents accès de violence des créatures locales. Prends ces objets et cet or. Tu trouveras ce qui te manque dans les échoppes. Hâte-toi. Suis le chemin qui passe par les ponts et tu arriveras à Ix. Oh! 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 Elle a passé de la thune! Et des galopins. Ah, mais j'ai des. Il est où mon grimoire? Ah, putain, où est-ce que j'ai mis mon grimoire? Il y a un grimoire. Galopin. Ici. C'est pas ça. Galopin. Bah, du coup, je vais revendre ça dès que possible. Il m'a donné un max d'or et c'est cool. Je ne peux pas te parler. On doit aller au village d'Ix, que je me remette sur le journal de quête. C'est aller chez... Ok, village d'Ix, je crois souvenir que c'est en bas. Et bah allons-y. Je suis quand même pas mal équipé, je vais quand même aller voir ce marchand. Votre or sera toujours le bienvenu en cet endroit. Je n'ai rien à réparer, je vais te vendre ceci qui ne me servira donc jamais. Et qu'est-ce que je peux t'acheter? Ça, je l'ai déjà. Ah non, c'est pas la même. Simple épée en cuivre de braise. Et moi, ce que j'ai, c'est une simple épée qui est équipée. Elle est où? C'est ça? Non. Ah voilà, c'est en haut. Une simple épée en cuivre. Pourquoi j'ai des baskets? Je vais vendre mes baskets, tiens. Basket bat les couilles. Hop, j'en profite, oui, pour faire mes courses. Voilà. Voyons voir. Acheter. Mon épée, elle fait du 7,52. Et toi, ton épée, elle fait du 10. Oh! Je vais complètement acheter cette épée. Je double... Non, je multiplie par 1,25 mes dégâts. Donc là, très clairement... Ah oui, je t'en achète une. Donc là, si je passe à... Attention. Le calcul va être précis à faire. Paf. Donc là, mes stats augmentent en attaque. C'est pas marqué, très bien. Mais là, très clairement, je suis à 10, alors que en haut, je suis à 7. Donc je vais reparler au vendeur. Je vais vendre... Je vais vendre mon épée. Et j'ai vu qu'il avait une cape, un simple manteau. Le simple manteau, contrairement à mon solide manteau, là j'ai 31 et là 28. Ouais, non, c'est tout. Et là, ça commence bien, j'ai une meilleure épée. J'ai une meilleure épée qui met un tout petit peu plus de cooldown que ce que j'avais prévu. Ça, c'est un drop. Chauve-souris. Et je les avais pas, chauve-souris. Et ben, première nouvelle. Le village d'Ix, oui, normalement, c'est juste en bas. Exactement. C'est la forêt. Sachant qu'il y a une délimitation à base de lave juste là. Alors, vers X. Et là-bas, il y a pas un petit secret. Un petit secret, là, parce que je rappelle, les secrets donnent de l'expérience. On nous a signalé la présence de brigands sur la route qui mène à X. Prenez garde. Ok. Alors du coup, sauvegarde rapide et go.
Oula, le chargement m'a fait peur. On remet la map. Faut pas que j'oublie. Non, je vais marcher. Comme dans Diablo. Alors, en haut ou à gauche. Oh, aïe. Attendez, j'ai une stratégie pour ça. Ça a marché, j'y croyais pas. Vous me croyez si je vous dis que ça... j'y ai pas trop cru? Vas-y, viens, attends. Viens, toi, voilà. Et paf, le bâton. Bon, quand même. J'ai un peu mal, je vous avoue. Je vous avoue que j'ai un tout petit peu mal. Vas-y, viens là, toi. Viens là. Allez. Je vous avoue que j'ai mal. J'attends que ça remonte. Tu peux remonter un peu plus, s'il te plaît. Ouais, encore un petit peu. J'ai pas trop cru quand j'ai foncé, mais franchement, ça va. Là, il y a un truc, je le sens. Je ne sais pas si mes réglages ont été sauvegardés ou pas. Ah ouais, je leur mets des gros dégâts. Alors, attendez. Non, mes réglages n'ont pas été gardés. Attendez, je reviens. Je vais juste sauvegarder ici. Ouais, je vais faire quitter. Ça va durer 2 secondes, vous allez voir, en fait. Voilà, faut juste que je remette l'affichage. Ah non, l'affichage a été gardé. Ok, c'est bon. D'accord. Ouais. Ok, c'est bon. Vous inquiétez pas, c'était juste une vérif. Ouais. La map, s'il te plaît. Oh là là, ça explose. Oh, alors attends. Si tu... Il y a de l'or. Et il y a un manteau. Chemise médiévale. Oh. Ah, j'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge. Je vais mettre le rouge. Oh, regardez-moi ce petit style. Oh là là, ce petit style qui lui va si bien à notre Jack. Ok, j'ai changé le nom. Ok, ça me plaît. Ça me plaît guère. Ça sent le piège, ouais. Oh là là. Adjoint. Oh là là. Oh là, mais. Fumax. Ok, là il y a 2 chemins. Là, je l'ai vu. Ça se complique, hein. Je vous rappelle, évidemment, moi j'explore un peu tout. Oh là, ouais. Vas-y, viens. Ah ouais, donc un coup de tête et terminé. Par contre, maintenant le chemin est presque bloqué. Oula. Oh la vache, c'est vrai qu'il y a des sangsues. Faut que je fasse attention aux sangsues. Putain, il y a plein de zones. Oh, ça va être horrible. Vas-y, viens toi. Viens. Boum. Là il y a un petit chemin. Ok, là il y a un truc. Il y a forcément un truc. Je le savais. Je l'ai vu au mur. Et je n'ai rien dans ce coffre. Ou c'est moi qui suis bigleux? Si. Simple paire de brassards. Et quoi? Antidote guêpe. Quoi? Protection contre le poison niveau 1. Oh, seuls les guerriers et druides peuvent. Alors ça, c'est super cool. Oh putain, attendez, j'ai un sort là. Résistance au poison, mais c'est génial. Ça c'est cool. Ça c'est un très très bon item. Oula. Ah tiens. Donc ce qui fait que, si j'ai bien compris, techniquement les chauves-souris, s'ils me mordent, ne me mettent pas le statut d'empoisonné. Pour ce qui est des gobelins, enfin pas gobelins mais trolls, je ne me prononcerai pas. Un petit peu d'or. Et c'est tout. Ok. Donc toute cette petite zone optionnelle pour quand même un truc assez intéressant. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Ça me plaît hier. Non, c'est bon. Ok, ensuite par là-bas. Vas-y, viens. Je vais pas me risquer à tenter le diable. Ah, champignon. Et une potion. Le champignon, qu'est-ce qu'il fait-il? Ah, ok. Alors, l'empoisonnement de ces trucs sont éphémères, c'est d'accord. Le champignon peut m'aider, mais effet secondaire. Ah. Voilà qui me plaît guère. Donc, toute cette zone-là, c'est optionnel, j'ai bien fait d'y aller. Là, il y a la doublette, par contre. Là, il y a une grosse doublette. J'ai pas un cooldown dessus? Ah, si, j'ai un cooldown. Ok. Attendre que ça recharge. Vas-y, viens, viens, viens. Ok. Là, il y a des coffres. Il y a des coffres. Il y en a un troisième encore. On attend. C'est bon. C'est bon. Je ne prends pas de dégâts déjà. Des pommes. Bon, ça va. À ce niveau-là, c'est bon. Un autre champignon. On sait jamais. Même deux champignons. On sait doublement jamais. Alors c'est bizarre par contre, l'empoisonnement qui s'émane de leur corps, ça éclaire. Je trouve ça un peu étrange, dirons-nous. Ok. Petite sauvegarde, quand même. Ok. Où est-ce que je vais aller par là? Ah. Oh. Non, 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 non. Holy shit. Je suis pas rassuré, comme dirait Zambla. Mais je gagne de l'XP à chaque fois. Je peux pas les attaquer au corps à corps parce que je me prends une mandale avec un recul. Qui, moi personnellement ne me tente pas. Oh non, il y avait un bout de caillou. Oh sérieux. Oh le bout de caillou. Oh, décevant. Vas-y. Ok. Et un. Ah mais ils sont pas empoisonnés. Oh zut. Mais là si je cours assez vite. Oh. Si je cours assez vite, je peux l'avoir. Là on est sur une grosse zone qui était remplie. Pas de passage secret. Non. C'était juste, ouais, l'antre des trolls. Je prends l'or. Je récupère quand même pas mal de trucs. Potion, champignon. Champignon. Là par contre le curseur pour choper les objets, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dessus, mais lui ne considère que je suis pas dessus. Ok, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Là, je sens qu'il y en a un autre. Je sens qu'il y a un pied. Non, c'est la fin. C'est la fin de la zone. Ok, fin de la zone. Wesh, bonjour. Prenez garde aux brigands au cours du voyage. Oui, brigadin. Ok, brigadin. Merci pour ton conseil. Vous quittez le royaume des guerriers, très bien. Je vais faire une resave, par contre, sur celle-ci. Voilà, vu qu'actuellement l'épisode 1 est sorti, j'enregistre un petit peu en avance. Là, il... Ah, je suis curieux, il y a... Ok, ok. C'est juste une porte, ok. Tout va bien. Monsieur, bonjour. On nous a
a signalé que des créatures attaquaient les humains près du village d'X. Ok, chef. Et toi? Vous devez être fier de servir Orandus et les chevaliers ardents de Nulmir. Oh putain, Orandus. Orandus. Je sais qu'il y a un jeu de mots, mais quand même. Le royaume des guerriers. Ah, c'est... Ah, attendez, il y a... Je t'ai vu tellement fort. Je t'ai vu. Du coup, je vais te prendre ce que t'as volé. Je t'ai tellement vu de loin. Là, par contre, je vois qu'il y a un truc. Non. Il y a un tabouret. Frère, tabouret dehors. Moi, je veux bien, mais quand même. Ah, j'avais utilisé une pomme. Alors, on pouvait voir son corps meurtri et brûlé à certains degrés. Là, il y en a un autre. Je sais que t'es là, frère. Allez, ramène-toi. Alors ça, si ça pue pas le piège. Ça pue le piège. T'es quoi, toi? T'es un... Manger des pommes. Voilà, manger des pommes qui disait. Franchement, ça va. Ça. Non, t'es pas une araignée, toi. Y'a pas de zone secrète dans cette forêt. Techniquement, je peux la brûler, hein. Vers la nature, tout ça, voilà. Je regarde un petit peu ma map aussi pour être sûr de rien oublier. Et je suis déjà dans un village. Bonjour. Ah, étranger, faisons connaissance. Ouais. Achetez-moi donc quelque chose. Ah, mais tu vas me réparer mon équipement, déjà. Voilà, tu me répares tout. Écoute, hein. Putain, l'épée qui a quand même pas mal été utilisée. Je vais te vendre du bordel. Non, parce que quand même, ça ne me sert plus. Ça, bon, voilà, c'est la couleur a changé. Donc, c'est pas encore ça, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu as? Oh, tu as du bonbon stuff. Une solide perle de brassard de cuir. Une solide perle de bottes en cuir. Des solides trucs. Solide tunique de cuir. Ouais. Antidote guêpe. Oui, mais je l'ai déjà en fait sur mon brassard, ça. Antidote guêpe, ouais. À moins que ça donne protection niveau 2. Non. Et là, qu'est-ce que c'est? Antidote guêpe, pareil. Ou à rien de bien. Toi, qu'est-ce que tu vends? Personne ne vous fera de meilleur prix. Ah, tu as des trous. Ouh là là. Ouh là là. Mais je peux pas me payer ça. Je peux me mettre un bouclier par contre. Je penche. Et je pense surtout que je vais mettre un bouclier. Combien ça? Oh là là, mais c'est 12 de 12. Attends. Ça, c'est ce que j'ai. Ah, mais c'est la base qui est assez forte. Ouais, mais non. Un choc ni moins, ok. Je vais prendre la rondage, par contre, parce que je peux me mettre... ouais, je vais prendre la rondage. Impeccable. Voilà, voilà, qui semble un petit peu mieux. Alors, je vais casser des trucs. Hein, quand même. Enfin, mais c'est ça. Ça, je peux pas le casser. J'explore un petit peu aussi. Parce que c'est aussi ça de jouer. Hein. C'est non seulement de voler, mais d'explorer. Petite pomme. Petite pomme. Ah, qu'est-ce que j'ai ramassé? C'est quoi ça? Ah oui. Ah d'accord, ok. Oui, je comprends, ouais.
Par contre, si j'équipe le bâton, je ne peux pas. Pardon, excuse-moi. Je peux pas. Ah, si, mais ça, je peux le casser. Non, mais le bâton. Oh, bâton. Connard. Non, ça, je peux pas le casser. Bon, ok. Ok, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est des cailloux. Je considère que c'est des cailloux. Toi, qu'est-ce que tu en? La confrérie mystique est le principal fournisseur de potions de la région. Bon, les loups, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Ça, encore plus. Très bien. Alors, là, vers les mines de mana, c'est pas le bon chemin. Ça, vers le village d'X, c'est là où je dois aller. Et là-bas, c'est Château de Galave. Très bien. Bon, au moins, je sais où je dois aller. Save. Et on continue sur notre chemin. Là, je vois qu'il y a un truc. Des araignées. Oh là là, des araignées. Oula. Oh. 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 Alors toi, ok. T'as par contre le bruitage. Je ne sais pas s'il coïncide bien. Ah, les araignées, ça m'a fait flipper un peu. Attends. Là, je. Y'a rien. Non. Non, y'a rien. Ok. Heureusement que j'avais un bouclier. Putain, le petit lancer de toi là, ça m'a fait flipper. Y'a un truc là. Non, mais étouffe pas de moi, je sais qu'il y a un truc là. Non, c'est bon, ok. Oh là là! Oh là là, mince alors! Qu'est-ce que j'ai ramassé? Rondage en cuir et rondage en fer. Ah, ah, y a un petit peu moins de résistance. Je restais sur mon rondage. Mon rondage. Masculin, féminin. Dites-le moi en commentaire. Là, s'il y a des loups, par contre, je vais le perdre un max de vie. Ah. 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 Bon, bah, salut, hein. Ça, c'est une roulage de cuir, je reconnais. Oh. Oh 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 pute. Oh sa mère. Tu as été incapable de retrouver le sceptre de l'édile et tu as péri minablement sous les coups des galopins. Tout ceci n'a que peu d'importance face au caractère inévitable de mon règne sur Nox. Les nécromanciens vont devenir les maîtres suprêmes. Et moi, Ecuba, je serai leur reine. Oh sa mère. Eh oh, eh, calme-toi. Putain, putain, j'étais. Oh mais ça. Oh putain. Meurs. Oh, ok, ça joue comme ça. Faut que je fasse attention. Où je vais? Petite potion. Sniper Elite, enfin. Waouh, mais sérieux quoi. Là, on n'est pas sur une petite zone. Vas-y, je suis. MDR. Oh. Oh oh oh. Ah, attends, ma touche, s'il te plaît. Ok. Ok, ok. Par contre, à chaque fois, je dois remettre mon bouclier. J'ai beaucoup de rondages de cuir. Là, c'est quoi? C'est un seau? C'est juste un seau. Ok, c'est juste un seau. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Tch, 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 tch.
Ok. Ok. Un maximum de thunes. T'as même la thune fait de la lumière, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ceci? Une petite arme! Une solide épée en fer. Ah. Ouais. Ouais, mais non. Non, non, non. Est-ce que je vais mourir? Je le sais que je vais mourir. Je me suis complètement raté. Je... Ouais, alors là. Ah, ok. C'était un autre passage secret. Très bien. Alors, faut que je fasse très très attention maintenant. J'ai dit attention. Ça, c'est un arc. Je peux pas utiliser. Ouais, d'accord, je peux pas utiliser. Je ne peux complètement pas l'utiliser. Eh ouais. J'ai absolument zéro point de vie. Hop. Donc là, mon but, c'est de me rendre dans... ici. Faut que je la joue... que je la joue fine, là. Je suis tellement en train d'attirer. Ok. Ok. Là, techniquement... Oh, putain. Il m'a fait peur. Oh, mais... Tu sors d'où, toi? Un problème de réglé. Cool, la viande. Voilà. Donc ça, c'était les brigands. Salut, salut, excuse-moi. Ouais, merci, meurs. Et bah... Cette zone a été pacifiée. Avec plus ou moins de succès. Mais je vais continuer par là parce que bon. Est-ce que je suis en train de m'éloigner du chemin? Sans doute. Ok. Vas-y, viens, viens, viens. Oh là là, il y a encore une maison. Level up, cri du guerrier, vous pouvez pousser un cri qui terrifie les gars, les jeteurs de sorts. Voilà quelque chose qui va m'être bien utile. Là, il y a des pierres qui ne me servent pour le moment à rien. Je reprends mon bâton. Ça ne sert pas du tout. Alors, j'ai beaucoup de steaks. Je vais manger des steaks. Permettez, s'il vous plaît. Ah non, j'ai que 3 steaks. Bon, je vais manger des pommes, quand même. Ah bah. C'est fou, ça. C'est quoi, ça? Ah, et qu'est-ce que c'est, ça? Putain, je vais pouvoir revendre un maximum de merde. Alors ça, c'est un bateau. Je suppose que si je suis dans la flotte, je meurs. Je ne peux tout simplement pas aller dans la flotte. Ce jeu est un petit peu réaliste quand même. Bon, ok. Là, il y a une grotte. Je suis parti à droite et je vogue maintenant. Voilà, je vogue. Laissez-moi voguer. Il y a un coffre. Il y a un coffre, ok. De l'or. Est-ce qu'actuellement je suis riche? Ouah, on peut dire ça comme ça. Ah, ça, ça pue le piège. Je sens le piège. Surtout ça. Ah, 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 oula. Putain, je le savais. Viens là, toi, reviens. Reviens là. Ouais. Il y avait un ours qui avait des steaks. Un ours, un loup. Non, pas ici, pas ici. Très bien. Je papillonne.
beaucoup, beaucoup trop. Vais-je pouvoir me souvenir de où j'étais avant? Je ne pense pas. Attends, je vais passer par ce côté quand même. Histoire de me dire, hé, attends, c'est quoi? Bah, j'ai eu quelqu'un là. Non, c'est moi. Là, je reviens d'où j'étais. Ah, il y a un truc là. C'est quoi? C'est un coffre qui était là, caché comme ça, par hasard. Ok, donc juste un coffre. Je devais aller par là, je m'en souviens. Et puis je suis parti ailleurs. Peut-être que je vais retomber sur mon chemin. Ouais. Eh ben, je suis tout à fait retombé sur mon chemin. Bon, bah, je vais pas vous voir tout de suite, les gars. Hein. Je vais juste vérifier que... Ok, ça, c'était le cours. Et moi, je suis passé par ce chemin. Ok, les gars, c'est bon. J'ai trouvé où je suis. Par contre, là, très clairement, il y a un truc. Vous me la faites pas. Eh. T'as cru que tu pouvais me la faire? Allez. Ah, je suis mort. Je suis mort. Non, mais c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai pas fait exprès. Si on a tiré un seul. Hop là. Merde, c'est pas V. Putain. Est-ce que je suis dans la merde? Oui. Voilà. Il est où? Il est où mon sort? Il est où mon sort? C'est X. C'était ma potion que je cherchais, ouais. Voilà, couché. Bah voilà, bah c'est tout. C'est tout ce que je voulais faire. Pourquoi c'était compliqué? On peut me le dire, ça, pourquoi c'était compliqué? Ouais, moi je sais pas trop. Je vais quand même racheter les potions, je pense. Bonjour, messieurs, dames. Je vous salue. Vous devez être le courageux guerrier Coran Douce en voie pour sauver notre beau village d'Ix. L'édile Théogrin vous attend. Merci. Et toi? Les portes sont ouvertes afin que vous puissiez accéder au village. Ne perdez pas une seconde de plus. L'édile a grand besoin de votre aide. Tu me dis vachement quelque chose, toi, avec ta voix. J'ai l'impression que. On s'est déjà vu quelque part. Non. Non, ça doit être moi. Ah, bienvenue à X, vaillant guerrier de Dunmir. Nous vous attendions. Les galopins qui vivent à proximité sont devenus fous. Ils sont venus en ville et ont dérobé mon sceptre. Un guerrier est arrivé et a pourchassé ces misérables pestes jusqu'au cimetière. Mais il n'est toujours pas revenu. Rendez-vous au cimetière situé à l'est du village et retrouvez mon sceptre. Revenez me voir dès votre retour. Je serai dans ma demeure, oh, au centre du village. Oui, ok, très bien. Oui. Ah. Bonjour. Ah. Et... Notre malheur est grand, valeureux. Ouais, je m'en bats les couilles. Je vais déjà fouiller un petit peu tout ça avec mon bâton. Voilà, j'aime bien fouiller, les gars. Là, y a quoi? Là, y a quoi? Jolie porte. Bonjour. Bienvenue à X. Tenez-vous tranquille et vous ne saurez jamais à quoi ressemblent ces cellules. Je vais voir quand même. C'est cosy. Cosy, 1 mètre carré, pas mal. Je pense que Stéphane Plaza, s'il existait, serait heureux. Oh, cool, des pommes. Les pommes, quand t'es dans la dèche, c'est le soin gratuit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Personne. Très bien. Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Eh, vous êtes chez moi. Je peux vous aider? Oui. Oui, écoute. Eh ben, très belle maison. Salut.
Fais pas attention au tonneau. Tu n'as rien vu, il s'est rien passé. Tu vois, c'est le mec gentil, mais quand même, dès qu'il peut, hop là. Il va chez les gens, il squatte, il y a quelqu'un ici, non? Voilà, voilà. Oh, excusez-moi, vous avez une petite pomme là qui m'intéresse. Petit verger dans cette demeure. Ah, attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, c'est derrière la maison, attendez. Attendez, la porte. Voilà. Alors, oh. Ah bah alors, on se cache. Oh, solide. Attendez, solide. On est à 156 d'armure pour... une résistance de 300. Et elle est où mon truc à moi? Et là on est à 141 d'armure. Je vais devoir mettre la solide. Voilà, petite ceinture en plus, petit style bonus. Faudrait que je trouve un marchand quand même. Ça c'est quoi? La demeure. Oui, on ira plus tard. Ah, là il y a une porte, c'est peut-être la taverne où je vais vendre ma merde. Boutique de magie. Bah ça tombe bien. Bonjour. La confrérie mystique fournit sorts et enchantements aux druides Dix. Et bah je vais te vendre de la merde. Tiens, reprends ça. Reprends. Non, pas ça. Ça, voilà. Les trois même. Non, je peux pas mettre les trois. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Vas-y, va, je me fais toute la thune du monde. Hein. Tiens, non, quoi que le bâton, je le garde. Simple bâton, et là, c'est juste un simple bâton. Ouais, bon, on prend tout. Même cette épée, et même ce carquois. Si je pouvais me réparer, hein, par contre, voilà, répare-moi mon épée. Et puis tout le reste de l'équipement, tant qu'on y est. J'espère que vous appréciez cet épisode qui va être un poil long. Vu que là je suis bientôt à 40 minutes. Tu n'as pas de... J'ai oublié de te demander si tu avais des... enchantements aux druides Dix. Alors non, nous j'en veux pas. Tiens, par contre je vais te prendre 3 potions. Voilà, impeccable. Impeccable, merci copain. Ça c'est une lumière. Là si j'explore un peu, ok. Ah bah voilà. Regardez ça. Hop là, ploup. Là-bas, ça doit être le cimetière. Salut, voyageur. Serais-tu intéressé par un animal envoûté et qui pourrait t'accompagner dans ta quête? Ces loups sont forts et valent bien les 200 pièces d'or que j'en demande. Tu en prends un? Lol. Non, merci. Lol, non. MDR, non, surtout pas. Le cimetière? Passez le pont et suivez le premier sentier à votre droite. Ok, chef. Mais moi, je vais pas passer le pont et je vais aller par là. Hein, parce que j'ai pas envie. J'aime explorer. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la rive, quand même. Oh bah, c'est quoi, ça? Ah, dis donc. Oh non. J'ai ramassé l'or, MDR. Allez, le cimetière, c'est pour ça que je suis là. Le sentier à ma droite. Il se passe quoi si je vais là? C'est un gros caillou. Oh, oh. Ok. Ok, ok. Toi, tu brilles. Voilà, excuse-moi. Ah, mais je... Oh là là, ça va être compliqué ça. Excuse-moi. Voilà, meurs. Non mais. Voilà, excuse-moi. Allez, meurs. 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 Voilà, meurs. Ça va, c'est que des grosses araignées. Hein.
Bonjour. Meurs. Voilà. Et puis même toi. Hein. Attends, tout ça pour... pas pour rien. À moins que cette sortie va m'amener quelque part. Je suis où? Je serai pas dans une taverne par hasard. Je reconnais R. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Une clé et un... C'est une simple coiffe qui me donne le... Ouais, le... La résistance. Mais j'étais où? Mais je suis perdu là. Mais au secours. Oui. What? What is... Quoi? What? Mais non. Ah, cimetière, ok. Bon, bah, cimetière. Écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment, moi de mon côté. De toute façon, vous aurez l'épisode en entier. Je vais m'arrêter là. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite, parce que ici il est tard. A tout de suite. Et nous voici de retour. Ça a duré quelques secondes, comme je l'ai dit. Incroyable. Je vais remettre ma map. Alors, parce que moi, ça fait une journée que j'ai pas joué. Oui, le cimetière. Alors, ok, on y va. Je sens le piège qui va arriver. Oh, là, on sent quand même qu'il va se passer des choses. Il y a une petite ambiance. Ah, j'aimerais passer de ce côté, du coup, moi, si possible. Ah, put. Alors attendez, je vais tenter un truc. Ah oui. Bon bah ça marche. Je vais quand même faire attention, éviter de me tout me prendre. Ok. Ok. Cette zone va être un peu compliquée parce que si je dois me taper des mobs qui attaquent à distance et qui ne font que du 1 de dégâts, d'ailleurs ça me fait penser, vu que j'avais level up, je suis monté à 49 points de vie, ok. Ok, ok, bon, passons à gauche. Parce que vous le savez, je suis de gauche. MDR. C'est faux. Enfin, la politique, vous savez, c'est compliqué. Ça me fait un peu peur, ce genre de... Tombe, voilà, c'est ça le mot, c'est le mot que je cherchais. Je ne peux pas les déplacer. Je peux pas les frapper. Jusque là, ça va. Là, je sais que j'ai oublié de tuer des gens. Je peux pas lire les tombes. Salaud, je le savais. Ok, donc là, c'est juste des sépultures. On va utiliser tous les champs lexicaux du cimetière. On va apprendre des mots. J'espère que vous les connaissez, c'est toujours utile. Brillant société avec le jeu vidéo. Ah là, il y a de l'or. Ah là, il y a de l'or. Oh, wow, 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 wow. Ok. Ah, il y en a une derrière. Ah, dégage-toi. Alors, petite potion. Toujours utile la potion. Bon, pour l'instant, au niveau de la vie, je gère. Je gère bien. Petite save, quand même. Ah, ah bah, évidemment. Évidemment. Sinon, c'est pas assez fun. Je peux pas passer derrière, là. Y a pas une autre entrée, un autre truc pour accéder à cette zone? Non, je peux y accéder que de ce côté-là. Ah, sûrement une sortie.
Mes points de vie sont revenus. C'est parti. Et bah non. Oh la vie de maman. Oh là. Oh qu'est-ce que c'est le fun. Hop là. C'est bon. Y'a plus personne. Fait quand même assez noir. C'est pas agréable. Et là ça. Et ça commence. Oh là là, ça commence. Ça commence, je vais me perdre. Ok. C'est quoi ça? C'est un cube, c'est un cube. Ah, la musique est étrange là, c'est. Je m'attendais pas à une telle composition musicale. Hop, position défense. Attention. Ouah, ça commence à se compliquer un petit peu là avec ces trucs. Ah, petite pomme. Je suis pas contre. Ah, je les mange automatiquement, ok, quand j'ai plus assez de vie. Ça, c'est une très bonne chose. Je me rends compte que maintenant... Oui. Mais là, je suis en train de me perdre, c'est pas le bon chemin. C'est complètement pas le bon chemin. Je ne peux rien casser ici. Il y en a un. Je l'ai vu. Je sais qu'il y en a encore un. Au moins un ici. Hop. Hop là. Hop là. Oh fuck. Oh, il y a une porte. Non, il y a une fenêtre. Ok, j'en vois un encore. Ouais. Ça commence à se compliquer un petit peu tout ça. Vas-y, viens, 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 viens. Ça se complique, ouais. Je suis en train d'aller où? Je sais pas où je suis en train d'aller. 1, 2, 3, je suis sûr qu'il va y en avoir un poil plus. Non, je vais pas aller là pour le moment. Elle est très compliquée cette zone. Ok, hop, une petite salle. Y'a rien du tout. Là où je sais qu'il y a une salle en plus. Là, il y en a un. Hop. Donc là, je suis derrière. Ok. Tonneau. Hop. Un petit peu d'argent. J'en suis à combien de durabilité avec mon épée, par contre? Parce que ça me fait peur. Ça va, je suis pas encore à la moitié. Elle peut tenir. Et là, je suis encore ailleurs. Oh là là, ça va être compliqué tout ça. Là, il y a des tonneaux. Petite réserve. Hop. Hop là. Ça c'est fait. Ah, c'est quoi ça? Oh, petit coffre. Vous entendez aussi beaucoup le clic de ma souris. J'ai oublié de vous le dire. Là, c'est normal, je ne peux rien y faire, le micro prend tous les bruits. Mais je suis en train de me perdre dans ces dédales. Heureusement qu'il y a une carte. Sachant que, bon, moi je vais faire toute la carte. Je vous le précise. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette zone? Je suis perdu là. Je suis complètement perdu là. J'ai récupéré quoi? Des... Ah, attendez, excusez-moi, est-ce que tu peux... Ouais, tu... Merci. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Des shurikens. Oh. Non, excuse-moi, frère. Putain, alors ça c'est... Ça c'est... Oh putain, c'est compliqué. C'est compliqué ça. Voilà. C'est bon, je peux avoir l'attention. Ouais. Je peux lancer les shurikens. Ça peut être sympa. Je vais les garder. Je vais garder les shurikens. Je suis complètement paumé. Je vais aller là. C'est une clé qu'il me faut. Ok, donc ça doit être la zone de fin avec les objets.
Wow, on va aller par là. Hop là. Salut, excuse-moi. Antipoison et potion. Ok, tout va bien pour le moment. Dégage. Putain, il y en a. Ah, il y en a partout. Il y en a partout, au secours. Là, je sais qu'il y en a au nord. Hop là, petite réserve. Merde, il est où? Tiens, je me fais bolosser. Ah, je me fais bolosser ici, d'accord. Ah, je me fais bolosser sa mère. Je me suis fait bolosser sévère là. Quelques pommes. Donc il y a encore une zone au-dessus, ça doit être un truc où je suis pas encore allé. Oh là là. Qu'est-ce que je suis parti faire? Je vais peut-être couper par contre quand j'aurai terminé, de manière à pas vous remater tout ce que j'ai fait. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah cool, petite viande. Je ne sais pas ce que j'ai drop. Casse-toi. Hop, petite zone. Ok. Qu'est-ce que j'ai drop? Non. C'est pas ça que j'ai drop. J'ai droppé un truc que je n'ai pas vu. Ah, il y en a encore, je l'ai vu. Bon, il y en a encore. Hein? Je vais aller par là-bas. Hop là, ça s'est fait. De ce côté-là. Ouais, je m'en doutais. Hop là. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien du tout. Que dalle. Mais par contre, il y a un truc là. Oh là là. Il y a un trou. Ok, là il y a un trou. Je vais pas y aller de suite. Là-bas, j'ai vu une porte. Hop là. Ah, ça doit être la potentielle dernière zone, ça. Comme je prends encore, ouais, ça c'est ouvert, ça c'est complètement ouvert. Et oh, il y a mon pote le scarabée. Vas-y, viens. Allez, coup de tête balayette. Peu. Putain, il y avait des. Hop là, esquive. Hop là, coup de tête. Ok, mais il y a rien en fait ici. Ok, il n'y avait rien ici. Bon. Et ben, on va faire du backtrack. Parce qu'il y a plein de zones que j'ai pas vues. Si j'évite de me perdre. Je sais que ici, c'est la suite. On va faire un petit peu de fast-forward pour vous. Et bah, tiens. Premièrement, ici. Ici, je n'y suis pas allé. Bingo. Oh là là, je me fais marave. Je me suis fait maraver. Malugue. Ok. Oh non. Salut mon pote. Vas-y, ramène-toi. Os bleu. Hop là. Oh là là, il y en a 4. Oh là là, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Je suis coincé derrière un lit. Hop là. Des pommes. Toujours utile, une petite pomme. Ok, j'ai toutes les pommes. Là, c'est derrière la zone. Oh, mais c'est encore plus grand. Oh, mais horrible, tout ça. Bon, là, je sais qu'il y en a. Ok,
c'était pas une nouvelle zone, c'était là. Beaucoup de save, hein. Voilà, c'est là où il y avait toutes les... Toutes... Ah, j'ai trouvé une clé. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. La clé qui me permettra d'accéder à une zone, je crois, qui m'a été fermée. Donc, ça doit être la salle au coffre. Donc, je vais retourner un petit peu plus bas. Là, il y avait que dalle. Putain, elle en est où, mon épée? Bah, ça me fait très, très peur. Ça va. On n'est pas encore au tiers. Donc, je redescends là-bas. Et ça doit m'ouvrir cette porte ici. Normalement. Bingo! Ouh, solide masse en fer. L'arbre de la thune. La thune. La thune. Et la thune. J'ai quand même une bonne arme là. 12 de dégâts. Ouh. Ah bah je m'en équipe. Ah mais là je veux voir ce que ça donne. J'ai pas vu les caractéristiques s'il y avait un spécial... sur cette arme. Non, c'est juste la base et la force. Ok. Donc là, je perds mon étincelle. Ah, par contre, arme lourde. Beaucoup de délai. Ok, on va encore revenir en arrière, en bas. Ici, j'y ne suis pas allé. Je vais par là. Ouh. Moi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a... Ouais, y a un recul. Oh, le recul que je leur ai mis. Vénère. Gros vénère. Toi, toi je te veux. Oh, c'est bleu. Oh, c'est vénère la masse. Bien vénère comme j'aime. Cette zone là c'est fait. Ensuite cette zone là je l'ai vue. Cette petite zone se... Ah, j'ai pas vu le coffre. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas vu? C'est planté. C'est planté. Il y a un truc que j'ai... Non. C'est planté. Je sais pas, il y a un truc que ça a l'air planté là. Oh là là, quel dédale. Gros dédale. Ça... Bah, par là, j'y suis pas allé. Bah tiens, il y a un pote scarabée. Vas-y, viens, viens, viens. Olé. 52 dégâts. Ok. Je vais garder mon épée quand même. Avoir deux armes dans le loot, c'est toujours utile. Quelques objets. Ensuite, où je ne suis pas... Bah ici. Juste là. Hop, attention. Hop là. Boum. Bon, là, il n'y a rien. Là, j'y suis allé. Là, c'est là d'où je suis venu. C'est le plus, c'est quasiment le tout début, par là. Et déjà, le tout début, c'est grand. Là, j'y suis allé. Et là, je reviens d'où je viens. Donc, dans la salle ici. Ce qui fait que là, je peux pas y aller. Ah, je peux pas y aller. Ça doit être la sortie, peut-être. Ok. Donc, face au revoir pour vous. Pour revenir à la zone de suivante. Ok, zone suivante, on va faire une vraie sauvegarde par contre sur un nouvel emplacement. Je ne sais pas combien d'emplacements j'ai droit. J'ai droit qu'à ça. Hop, nouvelle save et c'est parti. Je suis honteusement piégé. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Alors là par contre c'est la zone de boss, très bien, j'ai compris. Je suis face à un boss. Ok, on va déjà explorer un petit peu les endroits. Boum. Récupérer de la vie. En premier lieu. Ensuite. Hop. Par là, j'essaye d'esquiver le magicien. Parce que ça va me poser le plus problème pour le moment. Ouais. Le magicien qui me pose beaucoup de problèmes. Vu qu'il peut me ralentir, c'est pas une bonne chose. Hop, esquive.
je vais tenter un truc. Ah, j'ai raté le move. J'aimerais éviter de perdre de la vie quand même. Ah mais c'est pas vrai ça. Vas-y, je le cou... Putain, je voulais le coincer. Ah voilà, un sort qui est utile. Vas-y, meurs. Là, oh, je l'avais bloqué. Je l'avais bloqué. Vas-y, là, je le bloque. Faut que j'ai réussi à le choper. Allez, paf! Dans tes dents. Je récupère ton bâton. Oh, il y en a d'autres. Oh, génial, il y en a d'autres. Est-ce que je suis heureux? Absolument pas. Hop, ça c'est fait. Et un. Allez. Allez. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Attends, il me bouffe mes potions, c'est chaud. Je suis en train de tout perdre face à eux. Là, je suis au calme. Reste ton flex. Voilà, go. Ils étaient passés dans la même pièce. Je crois pas. Bam! Putain, je viens de m'en taper 3 là. C'était tendu. Là, j'ai. Ah, j'ai pas pris la potion. Là, j'ai quand même usé 3-4 potions. C'était tendu. Ah, petit coffre. Potion, évidemment. J'ai tout exploré. Ok. Putain, ça, fallait le deviner qu'il fallait casser les murs. Ok, bon, casser les murs, évidemment. Faut le deviner, hein. Là, là, y'a qui? Là, y'a quoi? Moi, j'ai récupéré qu'un bâton. J'ai pas récupéré le bâton de la déesse... enfin, du prêtre. Ah bah. Une clé qui me sera utile. De l'or, toujours utile. Et, ah, le sceptre de machin. Je vais voir un petit peu son sceptre. Ouais, bon d'accord. Bah écoute, tant mieux. Ouf, là par contre, autant utiliser le bâton. Je vais tout casser et... Hop, les pommes, je peux plus les prendre. Le champignon, toujours utile, hein, pour prendre un petit champignon. Excuse-moi. Voilà. Prends le champignon. Et remets-toi ce bouclier, s'il te plaît. Oh, 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 salut les gars. Boum. Et un. Ça marche pas. Oh. Oh, je peux les avoir au corps à corps avec le bon timing. Intéressant. Évidemment, j'étais obligé de passer par là, sinon c'est pas le fun, hein. Ah, ah, y a un vieux. Mon frère Dar, merci d'être venu à mon secours, mais je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai été mortellement blessé, je ne peux plus bouger. Mais je dois te dire, j'ai poursuivi les galopins dans la crypte souterraine du cimetière, mais la crypte a été profanée par une autre puissance démoniaque des morts vivants. Je les ai vus près de l'entrée, et j'ai entendu une voix de femme leur donner des ordres. Elle psalmodiait. Ouille. Boum. Le bon timing, le bon timing. Oula. Oh. Excuse, désolé, je prends tes bottes. Simple barre de bottes de cuir renforcé. C'était quoi mes brassards? J'avais pas des bottes moi. Si. Fais voir un petit peu ce que ça faisait ça. 52. 75. Eh ben. Je te les prends. Désolé mon copain. Je reviens à vous dans 2 secondes. Juste le temps de vérifier que tout est ok de mon côté.
Je suis désolé pour le temps que ça prend. C'est bon, tout va bien. Allez, bah du coup, je vais continuer encore un petit peu. Et bah là, je suis... Je sais pas où je suis. Salut mon pote. Qu'est-ce... Oh. Et tu... Oh. Oh. Petit bouclier. Merci. Ah, ça veut dire que maintenant je peux me battre contre des morts vivants. Trop bien. Pas d'autre objet. Pas d'autre objet. Je remonte. Ouais. Je me suis pris le mur. Est-ce que c'était le meilleur move? Aïe, 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 aïe. Tu as été incapable. MDR. Gros mort de rire. Oh putain, je reprends où? Ça va, je reprends pas trop loin. Merci la sauvegarde auto. Merci. Oh non, j'ai perdu son drop. Ah non, il est là. Oh là là. Est-ce que j'ai été un peu idiot? Oui. Hop. Toi, tu meurs. Hop, esquive, esquive, esquive. Oh là là, esquive. Comment ça? Non. Hop, 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 les gars. Les gars, les gars, les gars. Hop, et deux. Et trois. Et toi, je te fais legit. Et bam. Ah. Je suis à combien de poids, par contre? Je récupère un peu trop l'objet. Ça va. Ça va, je suis très large. Encore. J'aime pas ce qui va se passer. Je tiens à le dire. Ah, je ressors. Je ressors, ok. Je ressors de ce côté. Très bien. Oh non! Ah si, je peux prendre l'or. Hop. Prenons l'or des morts, en fait, littéralement. Là, il y a une porte. C'est une... Oh, je savais. Oh là là, je savais. Oh, 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 il y a une clé. Ah, verrouillé par un mécanisme. Hmm. Verrouillé par un mécanisme. Mais où est-il donc? Non, par contre, les gars, cassez-le. Ah bah d'accord. Je... Oui. Comment le pouvais-je le savoir? Comment? Je ne sais pas. Une clé en or. Hmm. Très utile. Donc, il y a quelque chose à ouvrir. Je vous avoue que j'ai piffé. Je vous l'avoue, j'ai... Je me suis dit au hasard, allez, go. Et donc ça, ça me ramène... Ici, très bien. Et donc du coup, là, non, c'est pas ça. Allez, meurs, meurs, meurs. Merci. Et donc du coup, attendez, parce que si là, je suis en train de vérifier un truc. Parce que là, si je remonte, ça va me ramener ici. Donc ça me ramène au début. Ok. Mais moi, j'ai pas envie d'aller au début. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je vais... J'explore. Enfin, pourquoi je m'ennuie avec toi? Il me dit quoi, mon journal de quête, d'ailleurs? Ramener le sept à... Ouais, non. Moi, je continue un peu ma vie. Ok. Mais j'ai une clé. Et donc, il y a forcément quelque part une zone que je n'ai pas explorée. Et je me demande où. Non, ça, j'y suis déjà allé. C'était la zone bizarre, étrange. Ah, je le savais, je l'ai vu. Je l'ai tellement vu que je pouvais casser ce truc. Là, y'a rien. Allez, parce que moi, j'ai une clé en or et ça me perturbe un peu.
Ça doit être pareil de l'autre côté, je peux casser le grillage. Techniquement, c'est ce que je dois faire. Ah. Voilà, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu tellement de loin. XP gratuit. Alors, du coup, cette clé me donne accès à quoi ? Ah, il m'a pas mis que j'avais une clé en or, là ? Bon, ok. Bon. Eh ben... Je suis Keblo. Donc, du coup, je vais partir. Hop. Partie sauvegardée, merci. Je refais la même. Il n'y a pas un truc... Ah, c'est peut-être pour ça ? Non ? Accès au temple ? Non. Où c'est que je dois aller ? Là, c'est là où il y avait un passage. Donc, je dois revenir au sud. Là, il y a un trou. Il y a un trou. Je sais où il va, ce trou. Je suis retourné comme un... Demeurer. En même temps, voilà, j'oublie assez vite où amènent les passages. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est pas ça. Mauvaise touche. Oh, vous êtes de retour. Vous devriez aller voir. Eh ben, j'y vais. Hein. Bon, toi, tes trucs là, tu te les carreaux, je pense. Paf! Allez, je te casse tout. Je vais cependant continuer de visiter un peu. Oh! Pantalon médiéval. Et moi, j'ai un pantalon comment? Un pantalon médiéval. Donc, aucune différence. Je continue un petit peu d'explorer le tout. La taverne. Ah, bonjour, mon ami. La journée a été longue, n'est-ce pas? Ah, ok, ouais. Ouah, 138 de réparation. Ça pique. Ça pique, oui. Vas-y, répare-moi tout, frère. De toute façon, je vais t'en vendre du merdier. C'est quoi ça? Un pichet le cidre, ok. Alors tiens, hop. De toute façon, je vous le dis, après ça, l'épisode est terminé. Vu que ça doit être la fin du chapitre. Ça, je sais pas si je dois le garder ou pas. Je vais vérifier quand même s'il y a une différence entre celui-là et celui que je porte. Parce que là, j'ai une protection contre le poison, et là, j'ai... Bah, j'ai rien. Dans le doute, je vais m'en équiper. Voilà, comme ça, j'ai double protection contre le poison. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Ça, je te le vends. Ça, je te le vends. Je vais garder une arme, quand même, au cas où. Et voilà. Me voilà avec 1200 de thunes. Ce qui fait beaucoup. Non mais regarde pas, je te casse quelques trucs, toi bien. Oh, il y a même des chambres. Hop là. On chope l'or. Je suis la femme de ménage, ne vous en faites pas. J'ai utilisé le mauvais bouton. C'était prévu. Tout était prévu. Bonjour madame. Oh, bonjour madame. Je vous vole vos affaires. On ne voulait pas trop, hein. Merci, au revoir. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Je vous salue, guerrier. Il n'y aura pas de tournoi aujourd'hui. Oh, petit tournoi. Oh, ça a l'air intéressant, ça. Sûrement une petite quête secondaire. Épicerie. Ah, ça, je vais peut-être acheter des trucs. Une magicienne répondant au nom des Cubas. Je m'en fiche. Bonjour, frère. Votre or sera toujours le bienvenu en cet endroit. Eh bah écoute, tiens, commençons. Achète-moi des trucs et je t'achète des trucs. Qu'est-ce que tu vends?
Oh. Oh. Voilà. 200 termes. J'ai pas les moyens. Enfin, j'ai pas 2000 balles. Mais il est fou. Et là, qu'est-ce que c'est? Sortie. Non, je vais pas sortir. Écoute, je vais aller au temple. Je vais finir la quête. Et puis, on s'arrêtera là. Je peux pas lui voir des trucs dans sa maison. C'est à toi que je dois parler, c'est ça? Je vous remercie, guerrier. Nous vous sommes tous extrêmement reconnaissants pour le courage dont vous avez fait preuve et l'aide que vous nous avez apportée. Tenez, acceptez ce modeste présent au nom de tous les villageois. Le capitaine vous attend près de l'entrée principale. Achetez tout ce dont vous avez besoin avant de le rejoindre. Mais ne tardez tout de même pas trop. Il a des choses à vous dire. Ok. 500 balles, monsieur. Mais monsieur est riche, oui, évidemment. Je vais faire la petite sauvegarde avant de rejoindre le capitaine qui doit être ici. Hop, sauvegarde rapide. Non, vraie sauvegarde même, au cas où. Alors, je ne sais pas à quoi correspond ce chiffre-là. Bonjour, capitaine. Et de retour, mon garçon, ou plutôt, devrais-je dire, guerrier. Ta rencontre avec les morts-vivants est ennuyeuse. Je ne peux pas ignorer les faits. Trop de choses étranges sont survenues depuis ton arrivée. Je crains de deviner qui est derrière tout cela. Si je vois juste, nous avons de la chance que seule une poignée de corps soit enterrée dans le cimetière. Faisons vite. Nous devons nous rendre sur la terre des braves. Les fantômes du passé reviennent nous hanter. Il y a des dizaines d'années, dans cette plaine sacrée, des armées venues du nord et du sud se rencontrèrent lors d'une lutte meurtrière qui devait décider de l'avenir de Nox. Ceux qui tombèrent au cours de ces combats furent enterrés ici même, dans le tombeau des braves. C'est également à cet endroit précis qu'un jeune homme, un héros nommé Jean d'Or, lassé de ne voir autour de lui que chaos et désolation, refusa de tuer un nouveau-né. La petite fille répondait au nom d'Ecuba, unique détentrice de l'héritage sacré des mages du Nord. Jean d'Or la confia aux ogres. Bien des années plus tard, Ecuba disparut. Il est fort possible qu'aujourd'hui, elle soit de retour et qu'elle tente de lever une armée impie composée de morts-vivants prêts à la servir. Il faut absolument empêcher cela. L'entrée du tombeau se trouve dans le bâtiment situé au bout du chemin. Essaie de voir si Ecuba est passée par là. Tu le sauras. Sois extrêmement prudent. Nombreuses sont les cryptes contenant des pièges destinés aux pillards. Bien ! Eh ben c'est parfait, c'est un nouveau chapitre de terminé. Un chapitre qui aura duré une bonne heure et demie. Pour ma part, ça fait une heure et demie, mais vous, je pense que ça devrait être une heure et quart, 1h20 à peu près. Bien, bah merci d'avoir suivi ce très long chapitre 3, et donc épisode 3 ma compagnie, j'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment, il est très labyrinthique, ce qui fait que je suis obligé de faire des tours et des tours. Mais je l'aime de plus en plus. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos, tous les mercredis à 15h30. À me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce la sortie des futures vidéos. Et évidemment de vous abonner. Et si vous avez déjà joué au jeu et si vous voulez... si vous avez des petits conseils, des petits tips, mettez-les en commentaire. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Nox.